Vous êtes sur RTL. Merci mille fois, Yann Bouchery. Allez, vous êtes prêt, Laurent ? Oui, je suis prêt. C'est parti, générique. 10h15, 11h30. On ne répond plus de rien. Présenté par Karine Le Marchand et Laurent Baffy. Sur RTL. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur RTL. Si vous nous rejoignez, il est exactement l'heure de On ne répond plus de rien, votre nouvelle émission qui vous offre chaque samedi matin un moment de partage, de rire et l'occasion de faire deux belles rencontres. Et tout ça avec un public magnifique. Alors j'ai la chance d'avoir auprès de moi un homme délicat, raffiné, sans doute un petit peu trop politiquement correct. Non. Bonjour Laurent Baffy, bonjour. Vous êtes traqueur, hein ? Vous avez les chocottes ou pas ? Oui, j'ai un peu peur, mais je voudrais remercier les auditeurs parce que l'émission n'est pas encore diffusée et vous êtes déjà de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc merci. Merci à tous, c'est vraiment un exploit. Merci. Bravo. Bon, Laurent, je vous présente nos invités. Oui. Elle est l'une des comédiennes préférées des Français. Oui. Une grosse tête historique. On a l'impression de la connaître car elle raconte les aléas de sa vie sur scène. Elle nous touche, elle nous ressemble et on a envie d'être son amie. Bonjour Michel Bernier. Et bonjour. Lui est champion de tennis et de résilience car il il a eu, semble-t-il, plusieurs vies faites de gloire et de désamour. Il apparaît aujourd'hui comme enfin réconcilié avec lui-même. Il va nous donner les clés de son énergie retrouvée. Bonjour Henri Lecomte. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. On va parler de l'un de vos points communs les plus évidents, c'est que vous ne trichez pas avec vous-même. Non, mais je pense, c'est pas que je pense, je suis sûr que lorsqu'on cache quelque chose, ça veut dire que c'est bon, déjà un mal-être. John McEnroe, qui était quelqu'un de très timide, en fin de compte, son agressivité lui permet de se protéger, mais c'est quelqu'un qui a un cœur et une gentillesse exceptionnelle. Moi, j'estime que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, on doit l'assumer et on doit aussi le partager. C'est un moment de partage. Je vois quand elle joue, c'est quelque chose, ça sort du cœur. Moi, quand je joue au tennis, c'est vrai que je suis quelqu'un qui prend énormément de risques. C'est ma façon d'être. C'est ma façon de pouvoir... On écoute ma façon d'être. Mais surtout, j'ai pas... Je me protège en faisant ça. Si je fais quelque chose d'autre, si je suis une autre personne, là, au contraire, je vais dans une direction qui n'est pas moi. C'est ça. Et à ce moment-là, là, tu te mets les pieds dans le tapis. Et là, comme dirait Bernard, tu te retrouves pas mal. Dans le tapis, d'accord. Le début était bien, la chute est merdique. On essaiera d'arranger ça au montage. Parce que le contenu était intéressant et tu ne sais pas conclure. Mais tout le monde voudrait avoir la carrière d'Henri Lecomte. Ah, moi, là, pas bien, aussi. Parce que vu comme je suis mauvaise de tennis... L'avantage, tu joues avec moi, la balle arrive dans ta raquette. Mais je sais, mais moi j'ai joué au tennis très longtemps. Tu vas venir jouer avec moi. Tu baises avec moi, non. Fausse bonne idée. Et vous, Michel, on a le sentiment que rien n'est à bout, que vous pouvez parler de tout. C'est vrai ? Oui. Bah ouais, je me dis pas, tiens, il y a un sujet que je pourrais pas demander à Michel. Est-ce que vous avez des hémorroïdes ? Bah non. Voilà, on peut tout dire. Bah tu vois ? Mais c'est-à-dire que sur scène, vous avez raconté votre vie, c'est encore le cas aujourd'hui, et pas forcément en ayant le beau rôle tout le temps. Et du coup, je vois pas ce qui pourrait vous déstabiliser. Bah, je sais pas, étant donné qu'on parle de sincérité, je pense qu'à partir du moment où on est sincère dans ce qu'on fait... Bah après, on peut partir sur tous les sujets. J'ai pas de problème avec ça. Non, mais pour qu'on connaisse un peu ta sensibilité, tu serais plutôt pour ou contre les attentats, toi ? Bon, le succès, mais aussi le genou à terre, on va en parler tout à l'heure. Vous connaissez tous les deux. Vous êtes relevés maintes fois. Ah oui. On va comprendre tout à l'heure où vous puisez cette énergie qui vous porte. Laurent a préparé un jeu pour mieux vous cerner. Alors, on va jouer avec vous, les auditeurs qui nous écoutez. Et justement, on a deux auditeurs en ligne qui vont deviner lequel de vous, Michel ou Henri, vous avez vécu telle expérience, vous avez rencontré telle personnalité, vous avez accompli telle chose. Bref, restez avec nous. À tout de suite sur RTL. 10h15, 11h30. On ne répond plus de rien sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là, le débat est clos. Tu parles de la foire au vin Lidl. Ah oui, mais là, aujourd'hui, ils ont une offre sur le Médoc Lenclos 2018 AOP à 9,86€ les trois bouteilles identiques, dont une offerte. 9,86€ les trois ? Mais ça fait... 3,29€ la bouteille, oui. Ah oui, en effet, le débat est clos. Lidl,
Meilleure chaîne de magasins de l'année. 4,38€ le litre au lieu de 6,57€. 4,93€ la bouteille à l'unité. Offre valable uniquement samedi 5 septembre. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous aimez les berlines allemandes? Ce sentiment d'être au volant d'une voiture très confortable, en parfaite sécurité. Ressentir ce petit frisson de conduire une voiture de caractère avec des innovations performantes et utiles? Avec Opel, toutes ces sensations sont maintenant accessibles sans plus attendre. Et pour permettre à tous ceux qui aiment la conduite d'en profiter, Opel reprend tout ce qui roule 5 500€ minimum pour l'achat d'une Opel Astra neuve. Innovation, performance, ingénierie, design. Offrez-vous l'excellence allemande. Offre réservée aux particuliers sur Astra neuve, commandée jusqu'au 30 septembre. Conditions sur Opel.fr, portes ouvertes les 12 et 13 septembre. Trop hâte du nouveau Marvel Avengers. Papa, c'est Marvel's Avengers et chez Auchan... Ils offrent un t-shirt aux premiers acheteurs. Oui. Et surtout, le jeu... Le jeu est à 54,99€. Ouais, c'est cool que tu joues à la console. À la console avec toi, je sais. Ce sont toujours les gens qui font la différence. Auchan. Jusqu'au 8 septembre, jeu Marvel's Avengers sur PS4 et Xbox à 54,99€ dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr et un t-shirt Avengers offert aux 7000 premiers acheteurs en exclusivité chez Auchan. Détails de l'offre en magasin, jeu Peggy 16. Boulanger. Les enfants, devinez qui on va chercher dans une heure. Mamie Josette. Non. Tata Juliette. Oh non, pas Tante Huguette. Mais non, on va chercher votre nouvel ordinateur chez Boulanger. Pour la rentrée chez Boulanger, retrouvez tous nos bons plans et solutions pour faire l'école à la maison. Et pour en profiter sans attendre, commandez sur boulanger.com ou sur l'application Boulanger et récupérez votre commande une heure plus tard dans le magasin ou en drive. Boulanger, si bien ensemble. Voir conditions en magasin et sur boulanger.com. Ma chérie, t'as changé tous nos coussins? Pourquoi t'as fait ça? Bah, Ikea a baissé ses prix, alors j'en ai acheté pour toute la maison. Oh, belle initiative, mon amour! Eh oui, Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme par exemple la housse de coussin Gurly à 1,99€ au lieu de 2,99€. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Ikea! Plus que jamais, l'optimisme, y a que ça de vrai. Comme chez Fiat. Pour ça, on devrait pouvoir partir sans payer. Justement, chez Fiat, tu prends ta voiture maintenant et tu payes en 2021. Ah ouais? Mais l'optimisme, ça serait aussi des remises valables pour tous. Chez Fiat, elles sont sans condition et avec un crédit super intéressant. Génial. Et pour éviter les mauvaises surprises? Leur garantie 10 ans. Rassuré? Optimiste. Fiat vous accompagne avec le contrat optimisme 5 mesures jamais vues. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Dans le réseau participant jusqu'au 30 septembre. Payé en 2021 sous condition de location longue durée si acceptation par Lysis France. Détails sur Fiat.fr. Fiat. On ne répond plus de rien. Avec Karine Lemarchand et Laurent Baffy, jusqu'à 11h30 sur RTL. Vous êtes dans On ne répond plus de rien, c'est l'heure de votre premier jeu, Laurent. Lequel des deux? Oui, lequel des deux? On va jouer sur la vie de nos invités. On a des auditeurs qui vont gagner des cadeaux insensés, des cadeaux qu'on ne pensait pas pouvoir s'offrir ici. Eh bien si, on les a, ces cadeaux. Ne me demandez pas lesquels, je ne sais pas encore, mais c'est du moi, lourd. Moi, je les ai, moi. Nathalie, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Nathalie? Je fais un truc très cool, je travaille dans le marketing. D'accord. David, bonjour. Oui, bonjour. Que fais-tu dans la vie, David? Je suis ambulancier taxi. D'accord, tu préfères avoir quelqu'un de valide ou d'invalide à l'arrière? Ça dépend. Les valides payent la course, les mourants parfois ne sont pas solvables. Oh. Non, c'est un peu technique, mais c'est un aspect qu'il faut avoir en tête. Tu es marié? Oui. Des enfants? Trois. Riri, Fifi et Loulou. Donc vous allez jouer. Nathalie, tu es prête? Oui, je suis prête. Ils sont beaux. Hein. On va jouer, on va alterner les réponses. C'est Nathalie qui va commencer. Lequel des deux? Donc il faut répondre soit Michel Bernier, soit Henri Lecomte. Ok? D'accord. Ça roule. Qui aime dormir la télé allumée? Nathalie? J'irai Michel. David? Je compte les points. Henri, eh bien David, non, c'est Nathalie qui marque un point. Alors, il faut dire que ça vient de ton enfance quand tes parents te laissaient en boîte de nuit à 5h du matin. Non, mais c'est vrai. Non, tu aimes dormir avec du bruit. J'aime dormir avec du bruit parce que moi, dans la boîte de nuit, je me mettais sur une banquette et puis je dormais, quoi, malgré tout. Même s'il y avait de la musique et tout ça. Et j'ai beaucoup de mal avec le silence. Donc, je garde toujours la télé allumée. Oui. Ou, enfin, il faut qu'il y ait du bruit. Deuxième question, attention, Nathalie, David. Qui est surnommé le robinet à conneries? Henri. Et que dis-tu? Non, moi je sais que c'est Michel, j'en suis certaine. Eh bien, tu marques un deuxième point. Mais oui. C'est surtout Isabelle de Botton qui t'a surnommé. C'est Isabelle de Botton qui m'appelle toujours le robinet à conneries parce qu'elle dit toujours, quand on écrivait ensemble, dès qu'il y avait une scène ou une situation qu'on cherchait, elle me regardait, elle me disait bon, bah alors? Et je lui trouve une connerie. Attention, qui a été conseiller ou conseillère municipale? Moi je dirais Henri. Henri également. D'accord, un point partout. Ah absolument. Ouais, ouais, j'étais conseiller municipal à Levallois pendant 4 ans. Ah, oh, alors dis donc, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que, au bout de 4 ans, j'ai préféré être président de la section tennis. Tu vois ce que je veux dire?
parce que c'était pas du tout mon truc. C'est vrai. Et c'est vrai qu'au conseil municipal, à la mairie, tout le monde avait une mallette noire. C'est la légende. Non, c'est une légende. Mais par contre, c'est vrai que c'était avec Patrick Balkany, c'était quand même chaud. Ah, il est connu pour avoir beaucoup de défauts, mais l'honnêteté du mec n'est pas à remettre en cause. Ah ben, droit. Nathalie David, qui a un fils prénommé Ulysse ? Alors, c'est Henri. Voilà, un point partout. Oui. Qui est né le même jour que Muriel Robin, Nathalie ? Je dirais Henri. Et David ? Michel. Eh ben, c'est David qui marque un point. Vous avez pile un an d'écart. On est nés le 2 août, toutes les deux. Vous êtes amies, vous voyez, vous fêtez des anniversaires ensemble, vous vous détestez, vous êtes concurrentes. Tout. Hein, voilà, mélange tout. Mais il y a combien de questions ? 119. Dernière question, mais je crois que tout est joué déjà. C'est pour... elle est très bonne. C'est tellement bête. C'est bête, mais elle est magnifique. Michel, si tu ris aux vannes stupides, tu vas retarder l'émission. Pardon. Qui a fait de la pub pour un régime ? Henri. Bah oui, c'est Henri. Bah ça ne change pas. Je vois pas pourquoi, bah oui, c'est Henri. Alors attends. C'est quoi cette Michel, j'ai à peu près votre silhouette. Oh, Michel, je l'adore. Que dit sur les régimes, que dit ta copine Charlotte de Turquem ? Elle dit toujours que les régimes, ça marche pas. La preuve, il n'y a que les gros qui en font. Bon, jeu est terminé. C'est Nathalie qui a gagné. Nathalie, écoute ce que tu as gagné. Oui, alors, Nathalie, attention. Un séjour pour deux, d'une valeur de 1000 euros. Putain, dénommement. Un week-end, mais je vous assure. Moi non plus, j'y crois pas. Alors, c'est un week-end de détente et de bien-être à deux à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses. Je le connais. Deux nuits avec une cure de remise en forme. Alors, je détaille un petit peu ça parce que les femmes me comprendront. Mais oui. Modelage, sous infusion, hydrojet, aquagym. Vous aurez accès à l'espace marin, au hammam, au sauna, à la salle de fitness. Bref, voilà, deux jours, ça va être sympa, non ? Oh oui, je suis contente. Ah, bah tant mieux, bravo Nathalie. Nathalie, je vous adore en plus, j'étais tellement heureuse de ce binôme parce que je vous aime tous les deux pour différentes raisons, mais quand j'ai appris que vous vous réunissiez... Alors Nathalie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, développer en accent plus sur ma personne ? David, tu n'as pas tout perdu ? Tu as gagné 2 semaines au Flamant Rose. Non, pas du tout. Mais sans cure. Mais sans cure, oui. Sans cure. Mais non, pas du tout. Mais en revanche, il a gagné une montre RTL. C'est trop sympa. Bah, oui. C'est tout. Ouais. Bah oui, c'est tout, il a perdu. C'est bien. Attends, mais il est marié, David. Et alors ? Ah, et donc on peut lui offrir une montre. Quel est le prénom de ton épouse ? Béatrice. Elle est dans le coin ? Non, elle vient de repartir au travail. Allez, ouais, tant que tu crois, c'est connerie, c'est bien. Ouais. Allez, on t'embrasse. On vous embrasse. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour les auditeurs, si vous voulez jouer avec nous, vous faites le 32-10. Et avec un petit peu de chance, Laurent sera sympa avec vous. Et dis donc, t'as fait péter un beau cadeau pour la première. Bravo, Karine. Bah, t'as vu ça ? Oh là là, il y a on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ouais, je la connais, cette phrase, c'est comme ça que tu m'as dit. N'importe quoi. Allez, tout de suite. Ah bah, on se retrouve dans 3 minutes, juste après la pub. D'accord, surtout, c'est des propositions, n'achetez rien. On ne répond plus de rien. Avec Karine Le Marchand et Laurent Baffy, jusqu'à 11h30 sur RTL. Kiosque. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. Faire peur, elle te montre du doigt la rumeur. La rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un chuchot.
chuchotement dans un haut-parleur. Courait, courait, elle t'a dans son viseur. Elle parle déjà de toi, la rumeur. C'était Calogero avec son nouveau titre La Rumeur, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est un extrait de son nouvel album Centre-ville qui sort le 6 novembre prochain. Avançons solidaires, protégeons chacun. Face à l'urgence sanitaire et fidèle à nos valeurs d'entraide, à la Massif, nous avons mobilisé près de 110 millions d'euros pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées par la crise, dont notamment 2,5 millions d'euros de dotations exceptionnelles pour nos partenaires historiques, Resto du Cœur, SAMU Social de Paris et Secours Populaire Français. Parce que protéger chacun, c'est agir pour le bien de tous. Depuis 60 ans, la Massif s'engage à vos côtés. Massif, essentiel pour moi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. C'est très important la fraîcheur, oui. C'est signe de qualité. Pour moi, les fruits et les légumes, ça doit être bio. J'essaye de faire attention de manger que du frais. Chez Aldi, place à la fraîcheur et au bio au quotidien. Avec des produits frais et bio livrés chaque jour, comme par exemple en ce moment, les bananes bio certifiées Fairtrade au prix de 1,50€ le kilo. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Vendu en sachet à poids variable, origine Côte d'Ivoire, Ghana, République Dominicaine ou Équateur, variété Cavendish catégorie 1, offre valable jusqu'au 5 septembre dans la limite des stocks disponibles. Ah, les surprises. Il y a celle du chef censé avoir du goût, et d'autres parfois de très mauvais goût. Il y a des cadeaux aux surprises, et des surprises qui sont pas vraiment des cadeaux. Et puis il y a les promos surprises, valables sur des produits qui, ah, surprise, ne sont plus disponibles. Bref, les surprises, parfois c'est mieux quand il n'y en a pas. Chez Nissan, pas de mauvaises surprises. Consultez maintenant sur Nissan.fr nos offres exceptionnelles sur des Nissan Qashqai en stock. Et contactez directement en ligne votre concessionnaire pour réserver un essai. Du 4 au 13 septembre. Nissan. Détail Nissan.fr. Chez Action, notre dada, c'est les plus petits prix. Je sais. Et même sur les produits de grandes marques. Par exemple, les 26 tablettes pour lave-vaisselle Finish à 3,69€. Si peu cher. Eh oui, ou le déodorant 100 ml Axe pour seulement 1,99€. Pas possible. Et même les Dentastix Pedigree à 84 centimes. Waouh, incroyable. Eh oui, vous ne trouverez pas de si petits prix ailleurs. Beaucoup de grandes marques. Chaque jour à petit prix. Action, petit prix, grand sourire. Le propriétaire de nouvelle C3 Spring Blue, avec le toit et les coques de rétroviseur noir, le décor de toit émeraude et le pack color blanc, n'a pas besoin de déplacer sa voiture, non. C'était juste pour lui dire que j'adore cette combinaison de couleurs. Il y a forcément une combinaison que vous aimerez. Pendant les Best of Citroën, découvrez nouvelle Citroën C3 et ses 97 combinaisons de personnalisation et profitez d'une reprise plus 2 000€. Portes ouvertes du 11 au 14 septembre. Citroën. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 30 septembre. Détails sur citroën.fr, équipement selon version. Carrefour. Le plaisir de déguster du bon chocolat, ça commence par... Puis ça fait... Et vous, vous faites... J'adore. D'accord. Alors pour tous les gourmands, jusqu'au 13 septembre, chez Carrefour et Carrefour Market, pour deux produits Milka, tablettes de chocolat achetées, le troisième est offert. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Différentes variétés, le moins cher est offert. Magasin participant est ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Et pour la sécurité de tous, ensemble, continuons d'adopter les gestes barrières. Bonjour, c'est Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL. Je suis ravie de vous retrouver tout à l'heure sur RTL pour le journal inattendu. Je reçois l'actrice Emmanuelle Béard. Elle a décidé de faire revivre les textes de son père, Guy Béard, et sort en cette rentrée l'intégralité de son œuvre. Femme engagée, Emmanuelle Béard nous livrera aussi son regard sur l'actualité. Alors à tout à l'heure, 12h30, pour le journal inattendu. On ne répond plus de rien. Avec Karine Lemarchand et Laurent Baffy sur RTL. Nous sommes dans On ne répond plus de rien sur RTL en compagnie de Michel Bernier et Henri Lecomte. On parlait tout à l'heure justement du fait que vous n'avez pas de langue de bois, que vous exprimez tel que vous êtes. Je voudrais qu'on parle d'une date qui a compté dans votre vie, c'est 1988.
Henri. Et c'est pour moi, oui. C'est la finale. Oui. C'est la finale oui, de Roland Garros. C'est pas moi qui l'ai joué, c'est toi. Oh, t'aurais dû la jouer, Michel, je pense que t'aurais mieux joué que moi. Non, pas du tout. Donc, court si tu le contexte, vous jouez la finale de Roland Garros, j'imagine que pour un jeune joueur, c'est l'apogée. Ah bah oui, Roland Garros. Est-ce qu'à l'époque, le public vous aimait? Absolument. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous perdez la finale? Bah, j'ai joué la finale, mais je l'ai joué 15 fois avant, la dans veille, votre tête. Dans ma tête. C'était contre qui? Contre Mats Wilander. Ah, alors, voilà. Il joue la finale contre Mats Wilander, donc il perd, comme vous dites. Et là, vous prenez la parole. D'abord, est-ce que c'est courant de prendre la parole quand on a perdu? Oui, à Roland-Garros, oui. Il donne toujours le micro aux perdants d'abord et après aux vainqueurs. On va écouter, on a retrouvé l'archive. Oh la vache. Et puis, c'est difficile à dire quelque chose après avoir joué une finale. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, malgré que Mats a très très bien joué. Il m'a fait mal jouer et je pense que c'est une chose, c'est sa grande force. Et je vous remercie le public. Je pense que maintenant, j'espère que vous avez un petit peu compris mon jeu. C'est un jeu difficile. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 mois, j'étais très loin. Et je suis revenu ici. Je pensais vraiment pas faire un grand tournoi. Et on va pleurer. Et toi, tu vas pleurer aussi? De toute façon, j'espère gagner l'année prochaine. Je reviendrai et cette fois, je gagnerai. Merci. Ça fait toujours mal. Hein. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal alors? Avec le recul. Le recul, l'arrogance que j'ai. Mais je trouve pas. Non, non mais, pas d'arrogance. Non, mais si. Mais je me sens ému en plus. Ouais, là. ouais, c'est dur. Parce que c'est un moment qui doit être magique et c'est un moment qui est terrible parce que c'est comme si je prends un uppercut, quoi. Et de revivre ça, même, ça fait quoi, 30 ans, 33 ans après, ça reste. Mais tu peux pas l'enlever parce que c'est la sensation que vous avez eue de pas être compris au milieu de tout ça. Non, c'est d'avoir raté la finale déjà. Ah, et rater le discours. Rater le discours parce que ça, je vais souffrir pendant un an. Parce que quand il dit dans le discours, vous m'avez pas compris, qu'est-ce que vous vouliez dire en fait? J'espère que vous m'avez compris. C'était pas vraiment oui, mon c'est jeu. Ça, c'était plutôt erreur. Moi. Est-ce que vous m'avez compris? Je suis quelqu'un de très sensible. Là où De Gaulle était meilleur, il a dit je vous ai compris. Toi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Là, c'était mieux. Tu as raison. C'est-à-dire que si. Alors attention. Si vous deviez refaire ce discours, qu'est-ce que vous diriez pour qu'on comprenne ce que vous pensiez? Ben, je dis pardon. Pardon d'avoir aussi mal joué. Je ferai mieux l'année prochaine. Merci. Au revoir. Henri, en ce moment, vous êtes sur Eurosport et vous commentez en fait l'US Open oui. jusqu'au 13 septembre. Mmh. Est-ce que quand on a été joueur comme ça, même malmené et tout, par les commentateurs, on est plus gentil avec les joueurs? Non, moi, j'ai quand même pas ma langue dans ma poche. Ah ouais? Alors, concrètement, montre. On va situer ta langue, elle est où alors? J'ai eu quelques remontrances parce que, et c'est pour ça que sur Eurosport, ils m'ont pris au départ, quand on a fait avantage de compte, c'est que je dis la vérité. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire partager ça aussi aux téléspectateurs. Mmh. Pour leur dire, voilà, quand ils regardent un match de tennis, ils sont dans leur canapé, et quand il y a un beau point, moi, je me mets à gueuler, comme tout le monde, et les gens adorent. Alors, mais parfois, vous êtes respectueux quand même avec les autres joueurs. Oui, je suis respectueux, mais je ne mens pas quand j'arrive sur un terrain et qu'à un moment je dis bon, on dit bah celui-là il a fait dans son pantalon, il a raté la volée. Moi je l'ai fait. Oui. Moi je me souviens quand j'étais joueur, comme l'a dit Laurent, j'ai des journalistes qui me désinguaient. Et ça fait du bien. Mais ça, oui, parce que ça te permet de pouvoir te secouer, te dire mais dis-moi, t'as vu ce que tu m'as dit, bah regarde ce que je fais maintenant. Mais quand on est une personne publique, et surtout quand on voit un peu ce qui se passe en ce moment avec tous les sportifs de très haut niveau, on doit être je recherche le mot, quand tu dois être irréprochable. Merci. Je serai pas toujours à tes côtés, hein. Non. Il va falloir te scolariser, Henri. Parce que c'est vrai, j'ai arrêté mes études très tôt, j'ai arrêté mes études à 14 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, à nos chers auditeurs? Changer de chaîne. qui sont non, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui sont sensible au regard des autres. Bah, s'en fiche, c'est prendre du recul. Mais je pense que le problème, c'est la victimisation. C'est quand on finit par se complaire dans on dit ça de moi ou ça ne va pas et on finit par descendre. Et on n'a plus du tout de lucidité. Il y a quand même beaucoup d'émissions, on vient se lamenter sur soi, etc., etc. Donc je pense que on est dans la culpabilité, dans tout ça. Donc aujourd'hui, si les gens se sentent mal dans leur peau, ce que je peux comprendre pour X raisons, il ne faut pas se victimiser, il faut se dire ok, je suis comme ça, est-ce que c'est moi, pas moi, peu importe, mais j'irai quand même, vous m'empêcherez pas d'être ce que je suis. Voilà. Et de pas descendre en disant oh mon Dieu, c'est les autres qui ont fait et vous n'aurez pas ma liberté de certainement pas. Non. Absolument. Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
avec Laurent Michel Henry. Paul, t'as vu que t'avais besoin d'une nouvelle calculatrice pour le lycée? Non, t'inquiète, j'en ai pas besoin. Et tu sais combien fait le carré de 12? Non. Donc on va prendre la calculatrice TI-83 programme Python. Et toi, tu sais combien ça fait? Alors, les cahiers. Sérieux, tu me fais trop rire, maman. Ce sont toujours les gens qui font la différence. Auchan. Calculatrice TI-83 Premium Python Graphique à 77,05€, garantie 3 ans. Éco-participation 8 centimes, offre valable jusqu'au 8 septembre dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. La paire. Chérie, pourquoi il y a écrit porte de placard coulissante sur la liste de rentrée? Ah, bah tu sais, c'est pour quand on s'habillera le matin. Comme ça, on sera heureuse d'aller travailler. Un basique, quoi. Parce que les grands aussi ont le droit d'être bien équipés pour la rentrée. Jusqu'au 14 septembre, La Paire vous offre 25% sur les portes de placard coulissantes sur mesure. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Ford. Regarde-moi ce SUV. Le nouveau Ford Kuga PHEV. PH quoi? PHEV, hybride rechargeable. 56 km d'autonomie, 100% électrique. Le coup de cœur. 56 km, 100% électrique. Le coup de foot plutôt. Ah, oh, t'es lourd. En ce moment, profitez des aides gouvernementales et de la prime Ford Hybride pour vous offrir le nouveau Kuga hybride rechargeable. Offre également valable sur le Kuga hybride diesel. Voir Ford.fr et primalaconversion.gouv.fr. Ouverture exceptionnelle dimanche 13 selon autorisation. L'instant Darty. Super ton nouveau PC. Et je l'ai payé 120 euros moins cher grâce à l'offre Bbox de Bouygues Télécom. À moi les beaux graphismes de super haut débit internet. Chez Darty, pour toute souscription à une Bbox de Bouygues Télécom, jusqu'à 120 euros de remise immédiate sur tout le magasin à partir de 199 euros d'achat. Bbox engagement 1 ou 2 ans sous réserve d'éligibilité. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2020, voire conditions en magasin participant. Par où commencer pour faire des économies? Eh bien moi je fais la vaisselle dans mon bain pour économiser sur ma facture d'eau. Alors regardez, là, je m'assieds en faisant attention de ne pas casser la vaisselle, bien sûr. Et aïe, je me suis assis sur une fourchette. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Commencez plutôt par faire des économies sur votre forfait téléphonique avec La Poste Mobile. Rencontrez un chargé de clientèle en bureau de poste, choisissez le forfait mobile adapté à vos besoins, et c'est parti pour les économies. La Poste Mobile, c'est simple de faire des économies. Offre soumise à condition. Cuisine équipée. Et vous savez ce que ça veut dire, TTC? Trop cher. Heureusement, du 2 au 30 septembre, SoCook vous offre la TVA sur votre cuisine équipée. Et ça, c'est so wow. SoCook, cuisine équipée. Plus de 160 magasins en France. Voir conditions sur SoCook.com. On ne répond plus de rien. Avec Karine Le Marchand et Laurent Baffy sur RTL. Nous sommes dans On ne répond plus de rien sur RTL en compagnie de Michel Bernier et Henri Lecomte. Est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, vous répondez quand on vous insulte, quand on met en cause qui vous êtes, ce que vous avez fait, ou pas du tout? Moi, je réponds pas. Non, déjà. Jamais. Je réponds pas. Non, parce non que je réponds pas. Non, parce que on gère les réseaux sociaux. Après, j'ai une personne aussi qui Capucine qui s'occupe de moi, que je remercie. Elle fait un travail extraordinaire. On travaille ensemble, on vérifie chaque chose. Et c'est vrai, elle, à la limite, elle est plus touchée que moi. Bah oui. Quand on fait un métier comme le nôtre, que ça soit acteur ou joueur de tennis et qu'on est le devant de la scène, comme Laurent aussi. Laurent, à mon avis, doit recevoir aussi pas mal d'insultes. Si, j'avais pas envie de parler de moi. Aussi, non, mais je dis, on doit accepter. On doit accepter la situation, on doit accepter les critiques. Vous avez d'autres problèmes avec les réseaux sociaux, ma chère Michel? Ah oui, alors je suis c'est terrible. Donc Michel est célibataire. Voilà, célibataire et quelques camarades autour de moi me disent oh mais tu sais, moi j'ai rencontré un mec, une nana via Instagram. Donc je dis oh là là, mais alors c'est génial. Allons-y. Et je me dis tiens, ça se trouve Instagram, si je vois le nom de quelqu'un, c'est qu'il me connaît en fait. Donc oui, je s'il te suit. Ah oui, s'il me suit, c'est qu'il me connaît. Il voit qui tu es. Oui. Voilà. Si eh ben te... non, en fait, pas comment du ça tout. Non, parce que je me rends compte, donc je m'abonne à un mec, je sais pas, bref. Comment ça? Parce qu'il vend une armoire normande à la base. Oui, voilà, c'est le bon coin, drague sur le bon coin. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez fait la démarche. Alors, de je suivre. Fais la démarche. Je vois un nom et un prénom, par exemple Henri Lecomte, par exemple. Si oh, ouais. Non, mais c'est des jolis noms, ça. Ouais. Ça. Ouais. Hein, voilà. Donc avec une donc photo. Donc vous vous abonnez parce que le mec est mignon. Tiens, oh, bonne tête. J'appuie. Quelle connerie. Parce que là, on me répond. Bonjour, belle dame. Oh, bah, déjà, dis donc. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, je me rends compte que, il sait pas qui je suis. Il est très flou dans lui, ses activités. Alors, généralement, je le dis aux filles et aux garçons. Parce que c'est de l'arnaque, en fait. C'est de l'arnaque. Ah, oui. Ils sont
soit divorcé, soit veuf, un enfant en Allemagne, généralement. Ah bon ? Avec une moustache ou pas ? Ils vivent dans un pays assez lointain, d'accord, où ils sont, hélas, un peu coincés, parce que l'associé est parti avec l'argent. Eh oui. Ah ouais. Non. Voilà. Et oui. Donc, au bout d'un moment, il commence à dire, est-ce que vous pourriez m'envoyer un peu d'argent ? Donc, je le dis, les célibataires, regarde, faites attention, parce que ce sont des vraies plateformes. Ils sont une dizaine autour d'une table avec des ordinateurs. Dès qu'on les suit. Et ils sentent, ouais, dès qu'ils sentent les célibataires, les gens qui ont besoin un peu d'affection, machin, qui sont un peu tout seuls. Et ben, c'est que de l'argent. Que ça, que ça, que ça. Mais alors, parce que vous êtes fleur bleue, vous êtes romantique en plus. Moi, je suis comme toutes les femmes et tous les hommes qui aiment l'amour et qui sont... Alors, on parlait de sincérité et d'être cash dans la vie. Moi, je donnais tout. Voilà. Et puis, c'est... Bonjour, comment ça va ? Ben, super. Rencontrons-nous. Ah ben, non, parce que là... Mais c'est dingue, cette histoire. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Bien sûr. Mais non, mais... Ah oui, bien Michel, le bilan est négatif. Zéro rencontre ? À zéro. Zéro, en tout cas, via Instagram. On peut lancer un appel. Oui, il a quand même deux enfants. Si vous êtes seul et dépressif. Non, surtout pas. Seul, gentil, ça. N'appelez pas. Non. N'appelez pas. Ah, n'appelez pas. Non. Si on devait décrire l'homme que vous attendez, il serait comment ? Consentant. J'espère bien. Non. Plus jeune, t'aimes bien plus jeune, Michel. Mais comme les hommes aiment les femmes plus jeunes. Exactement. Voilà. 12-13 ans, ça va ? Oh, c'est un peu jeune. Un peu jeune. Ah oh, ouais, ouais. 30 ? Non, alors, 30 ça fait envie, mais on s'ennuie. Non, mais si, ça fait envie parce que c'est... Parce mais je trouve ça super d'oser le dire. Oui, parce que c'est ça beau. Vous fait envie, 30 ans. J'ai 35 au fond, monsieur. Chez vous. Un beau gosse de 30-35 ans, excuse-moi. C'est un beau gosse. Mais, bon, c'est honnête, hein. Après c'est un budget, quoi. Après c'est un budget et puis c'est des conversations aussi. Ah oui. Tu puis vois, ça veut tous les jours. Hein. Oh, ça c'est pas dérangeant. Du moment qu'il y a la télé. Ah oui. Allumé. La télé, j'adore. Et vous, Henri, quel genre d'amoureux êtes-vous ? Moi, je suis en couple avec Maya. Je suis amoureux, je suis sensible, je pourrais être une femme. Est-ce que vous auriez eu la même carrière si vous étiez avec Maya à l'époque ? J'aurais gagné 3 grands chelems 4. Oh, ah, c'est bon, beau. Parce qu'elle est psychothérapeute. Oui, elle est hypnothérapeute. Hypnothérapeute. Donc on a travaillé, on travaille ensemble d'ailleurs, et on a travaillé, elle avait un beau sujet hein, avec moi, elle avait quand même du boulot. Et depuis, t'es persuadé que t'as une grosse bite. C'est bien foutu quand même. Oui, non, c'est depuis que j'ai maigri par contre, c'est depuis que j'ai maigri. C'est grâce à mon régime. Je la vois maintenant, avant je la voyais pas. Ce qui est important, c'est de se connaître soi-même. Elle m'a fait comprendre pourquoi... J'allais dans une direction qui n'était pas la bonne, parce que ben, j'étais toujours dans le passé, et de pouvoir accepter ce qui se passe aujourd'hui et de pouvoir grandir. Donc par la suite, il est évident que lorsqu'on arrive à accepter tout ça, on puisse aller dans une meilleure direction. Parfois, on vient aussi avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Bon, là, on ne va pas dans une discussion. Ouais, des parents, tout ça. Des parents et tout, bon, donc c'est avec du caractère, quoi. Alors moi, j'ai des gens qui ont des recettes du bonheur. J'ai demandé aux auditeurs de nous appeler et de nous donner leurs recettes du bonheur. Quoi, parce tous que... les quatre ? Comment ça ? Il y a quatre auditeurs en ce moment, l'émission démarre. Ah, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? J'ai Anne-Bénédicte au téléphone. Bonjour Anne-Bénédicte. Bonjour Karine. Eh bien, bienvenue. Vous avez, merci beaucoup. Vous avez 38 ans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Eh bien oui, puisqu'on est samedi. Ah ben oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Happy birthday. Eh, bon vous putain. Vous êtes à la moitié de votre vie. Merci beaucoup d'avoir contacté l'émission pour nous parler de votre recette du bonheur. Alors, je vous raconte. J'ai un de mes meilleurs amis qui m'a offert un boîtier des épisodes de Crimi, qui est un dessin animé de fantasy, en fait, d'une petite fille qui va vivre des expériences extraordinaires. Et c'est un dessin animé que j'adorais regarder petite. Ah, et en fait, pas. Je me suis mise à en regarder un épisode le matin avant de partir travailler. Et ça m'a plongée dans une sorte de féerie, ce qui fait que quand on arrive après, dans sa journée de travail, on n'est plus tout à fait la même personne, donc on évolue dans un monde un peu irréel. On me dit qu'on a retrouvé le générique de Crimi. Vous pouvez chanter dessus si je le fais écouter ? Ah ouais, bien sûr. Alors attendez, on envoie la musique. Merci. Tu es une petite fille qui ne veut pas vivre sans secret d'espoir. C'est un jour d'espoir. Ça va faire un carton, Crimi. Ah oui. Il manque plus que le bruit de l'ambulance derrière. Écoutez. Attention. J'ai l'impression de vous voir dans votre chambre capitonnée. Écoutez, c'est exactement ça. Vous l'avez précisé là. Donc vous chantez ça à fond le matin et tout va bien.
Exactement, et je vous recommande la même chose. Oh, écoutez, on va essayer, on va s'entraîner. Je ne suis pas sûr de faire ça dès demain, mais je vais y penser très fort. C'est super. En tout cas, on vous offre une paire de baskets. Taille 22, comme Crimi. Non, Reebok, à votre pointure pour sauter dans les flaques de Crimi. Oh, c'est cool. Voilà, merci beaucoup. Moi, bon, si vous voulez nous donner vos recettes de bonheur, téléphonez-nous. Hein. Appelez urgence psychiatrique en vous prenant. Non, vous pouvez faire le 3210 aussi pour nous laisser un message. Et on vous prendra à l'antenne. Hein. Mais oui. J'ai envie de sauter dans les flaques. Mais chacun ses recettes. Très bien. Et ben, c'est un très bon lancement pour la publicité. A tout de suite sur RTL. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Somebody that I used to know. Discount, pourriez-vous aider Honoré à fixer des étagères? Ça tombe bien. La perceuse visseuse sans fil Black & Decker en 18 volts et ses 160 accessoires est actuellement à 79,99€. 160 accessoires? Honoré, c'est le pompon! C'est Discount, dans la limite des stocks. Tous ceux qui le matin mangent leur kiwi directement à la petite cuillère. Et à tous ceux qui le matin sont mal réveillés et qui jettent leur petite cuillère à la poubelle, à la place de la peau du kiwi. Adieu petite cuillère. Bye bye ma chérie. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Intermarché propose le lot de 5 kiwis verts et jaunes esprit à 1,79€. C'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 36 centimes la pièce au lot ou 48 centimes la pièce hors lot. Origine Nouvelle-Zélande, variété Hayward & Gold, calibre 105-115 grammes et 81-92 grammes. Catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Salut les mémophiles! Dans le tuto du jour, je vais vous expliquer comment faire vous-même des croquettes. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est coton. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pique celle de Patouf, le chien du voisin. Ou sinon, je passe chez Gamme Vert. Eh oui, jusqu'au 5 septembre, pendant l'opération coup de patte chez Gamme Vert, il y a 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat, conseil compris. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Vous connaissez le silence dans un ascenseur? Mais avez-vous déjà entendu le silence sur la route?
SUV Citroën C5 Aircross hybride rechargeable, jusqu'à 55 km d'autonomie en mode 100% électrique. Pendant les best-of Citroën, découvrez-le à partir de 299 € par mois. Portes ouvertes du 11 au 14 septembre. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 4 250 € après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 septembre sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Chérie, t'as changé notre lit? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah Ikea a baissé ses prix et j'ai même acheté une nouvelle parure. Belle initiative, mon amour. Et oui, Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme par exemple le cadre de lit Slatoum en 140 par 200 cm à seulement 99 € au lieu de 129. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Ikea. Carrefour. Quand on aime dénicher de bons vins, tranquillement derrière son ordi, et se faire livrer chez soi ou en magasin, on sait que jusqu'au 11 octobre, sur je-réserve-ma-foire-au-vin.carrefour.fr, on a le choix parmi 1000 bouteilles, dont 100 offres exclusives en ligne juste pour vous. Et c'est la seule foire au vin notée par la revue du vin de France. Hein. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Plus d'informations sur je-réserve-ma-foire-au-vin.carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et pour la sécurité de tous, ensemble, continuons d'adopter les gestes barrières. On ne répond plus de rien avec Karine Lemarchand et Laurent Baffy jusqu'à 11h30 sur RTL. Nous sommes en compagnie de Michel Vernier et d'Henri Lecomte. Je suis Karine. Je suis Laurent. Voilà, et vous êtes bien sur RTL. Henri Lecomte, vous êtes, on en parlait tout à l'heure, l'égérie minceur du programme Comme J'aime. Oui. Mais complètement par hasard. Par hasard. En fait, ouais, c'est trop rigolo cette histoire. Ça devait pas être drôle. Vous. Non, ça devait pas être ça moi. Ça devait être qui? Ça devait être une autre personne. Écoutez. Tu veux pas le dire. Pourquoi pas? Mais racontez l'histoire. C'est une ancienne joueuse de tennis qui a pris un peu de poids. Un peu forci. Un peu forci sur. Elle devait perdre 32 kilos. Une française? Une française. Française morte? Mais non. On n'est pas en grosse tête là. Pareil. Excuse-moi. Française morte. Comment tu galérais? Et donc je rencontre monsieur Bernard Canetti à Roland Garros, je le rencontre, j'ai c'est le fondateur de Comme J'aime et je lui dis écoute voilà, j'ai quelque chose pour toi, t'as à te proposer, on sympathise vite fait et je lui dis voilà, j'ai une joueuse qui veut revenir au plus haut niveau et elle Vous étiez son coach. Et je m'occupais d'elle donc en mettant en place tout un système pour qu'elle perde du poids, je lui dis voilà, elle est déjà suivie par une clinique la joueuse, elle est déjà suivie par une clinique qui a gagné Wimbledon. Non. Tu trouveras pas. Et je lui dis, mais écoute, ça serait bien pour toi. En plus, ça peut te faire la pub. Elle va commencer à faire le programme. Et puis, en contrepartie, voilà. Ça me dit, bah oui, pourquoi pas, on y va. Super. Donc, mais vous ne connaissiez pas ce monsieur? Je ne connaissais pas. J'ai rencontré Bernard Canetti comme ça en 5 minutes. Soirée. Oh, non, il l'a vu au parloir quand il est allé voir Bernard Canetti. Non, à Roland-Garros, il est venu déjeuner à Roland-Garros. Et moi, je suis passé. Et voilà. Bon. Et donc, j'ai discuté avec lui. Et puis, voilà comment ça a commencé. Et puis, par la suite, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Avec la fille. Avec la personne française, vivante. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, à un moment, évidemment, comme elle ne perdait pas trop, j'ai dit, bah, écoute, je te parie ce que tu veux, que moi, je le fais et je perds 10 kilos. Et je l'ai fait, et j'ai perdu 16. Pardon, Henri, mais ce n'est pas ce que dit la pub. Je suis Henri Lecomte, et j'ai perdu la Coupe Davis en 91. Il y a quelques mois, j'ai décidé de faire Comme J'aime, et j'ai pris 16,5 kg. Mathilde a hésité, elle a testé Comme J'aime, au final, elle a pris 20 kg. Claire aussi a hésité, et elle a pris 12 kg avec Comme J'aime. Faites comme moi, on fait en moyenne 207 kg. Satisfaction garantie. C'est génial. Bravo, génial, bravo. Bravo. Merci à François Touchard qui m'a aidé. Oui, génial. C'est le réalisateur de l'émission. Merci François. Et donc, sur un pari un peu comme ça, vous dites, moi je vais m'y mettre et vous avez perdu 16 kilos. J'ai perdu 16 kilos. Mais vous vouliez rien perdre en fait au départ. Bon, je devais perdre un petit peu quand même, parce que j'étais quand même un peu. 16 kilos quoi, oui. Mais, et là, puis j'ai perdu 10 kilos, puis j'ai continué, puis j'ai commencé à refaire du sport et depuis ça fait un an. Là, vous avez fait la soupe aux choux, vous, Michel? Moi j'ai tout fait, moi. Ah bon? Ouais, j'ai tout fait. Tout. À un moment, tous les régimes. Je pense que, ouais. Ah oui, quasiment. À un moment, je pense que je n'assume pas, parce que tout le monde pense que ouais, vous assumez vos rondeurs et tout, j'assume parce que bon, je fais. Il faut bien. Voilà. Mais donc, je pense qu'à un moment, il faut faire la paix avec ça. Mais je sais que c'est difficile pour les copines, parce que quand on ne veut que des femmes maigres, très très minces, on ne demande pas la même chose aux hommes. On les accepte plus facilement ronds, on accepte plus facilement qu'ils aient vieilli. Mais chez les femmes, il y a encore quand même une différence. Et je vois la souffrance que c'est d'être, pour ces femmes, d'être tout le temps dans une espèce de regard dur et difficile, parce qu'en plus, elles se privent énormément. Et puis, c'est même pas elles qui vont avoir le rôle. Donc il y a aussi. Non mais là on peut même. C'est pas une histoire de comédienne. Non, on peut s'adresser à toutes les femmes qui nous écoutent. Non mais ça peut être le rôle. Ça peut être aussi bien dans une histoire d'amour que dans le boulot que dans n'importe quoi. Et toi Karine, tu arrives à t'accepter que ton physique disgracieux. Ben c'est oui. Pas Aravan Rezaï. Quoi?
La joueuse, Henri. Oh, il essaie toujours de chercher. C'était elle. Restez avec nous, chers auditeurs. On se retrouve dans quelques minutes. Et Laurent aura une surprise pour nos invités. Oh, quelle belle surprise. À tout de suite sur RTL. J'ai hâte d'être à la fête. Rouge ? Non ! Rosé ? Non plus, et blanc, pareil ! Mais il nous reste quoi alors ? Eh ben, il nous reste plus qu'à aller chez Netto. Du 1er au 13 septembre, c'est la foire au vin. Avec leur petit prix sur une large sélection de vins, à nous les bonnes affaires ! Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalités et magasins participants sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Peugeot présente un rendez-vous historique. Les 210 ans de Peugeot, c'est en ce moment. Pour célébrer cet anniversaire historique, la marque au Lyon vous fait profiter d'offres qui sont elles aussi historiques. Profitez d'une reprise de 3000 euros en plus de la valeur de votre véhicule et repartez au volant du nouveau SUV 2008. Le tout dernier SUV de la marque, au design exaltant, doté du nouvel iCockpit 3D et disponible en motorisation thermique et électrique. Ne perdez pas de temps, ça passe vite un anniversaire. Détails sur Peugeot.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. En ce moment, ils nous font un kilo de banane à 99 centimes. 99 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles? Ah, deux balles? Ah non, 99 centimes le kilo, patron. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vendu en vrac, catégorie 1, variété Cavendish, calibre P20, diverses origines selon arrivage en supermarché. Lidl, partenaire de Deceuninck Quick Step pour les produits frais. Plus informations sur Lidl.fr. L'instant Darty. Ah, elle sent bon cette rentrée. Aussi bon que mon gigot préparé grâce à mon four Electrolux. C'est la rentrée chez Darty. Le four Electrolux Intuit 72 litres à plus est à 429 euros au lieu de 749. Et en plus, la livraison et l'installation sont gratuites. Darty. Offre valable jusqu'au 27 septembre dans la limite de 1380 pièces. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. À tous ceux qui se trompent de côté à la station-service et qui tirent sur le tuyau pour faire le tour de la voiture. Et ceux qui visent le contron et qui rajoutent 1 euro de carburant juste pour le réussir, ce contron. Aujourd'hui, Intermarché propose le carburant à prix coûtant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com et sur Waze. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 67%. C'est la part de Français qui renonce à leurs soins dentaires en raison de leurs coûts. Et c'est trop. Au Crédit Agricole, on pense que personne ne devrait avoir à choisir entre sa santé et son budget. Alors on a intégré le 100% santé à notre assurance. Comme ça, on rembourse vos prothèses dentaires et vos lunettes de vue à 100%. Crédit Agricole. Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Étude CSA 2018, conditions du 100% santé au contrat, assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. Disponible dans les caisses régionales. Vous êtes bien sur RTL, il est 11h. Les infos de la rédaction. Bonjour à tous. À la une, la disparition d'Annie Cordy. L'artiste est décédée hier soir à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, où elle habitait. Elle était âgée de 92 ans. Née à Bruxelles, Léonie Korman, de son vrai nom, avait d'abord reçu une formation classique et débuté dans des orchestres en chantant des standards américains avant d'être engagée comme meneuse de revue, notamment à Paris, au Lido, en 1950. Ensuite, elle va naviguer en passant d'opérette en comédie musicale, du cinéma à la chanson, Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé ou Ça ira mieux demain, autant de titres qui ont accompagné de nombreuses générations. Parmi les hommages, celui de son amie Lynn Renaud. « Tu vas terriblement me manquer, ma Nini », a-t-elle réagi sur son compte Twitter. Dans l'actualité aussi, un policier de 36 ans mort en service cette nuit à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Vers 23h30, la voiture d'un équipage qui intervenait pour un vol avec effraction a été percutée sur le flanc droit par une conductrice âgée de 26 ans et alcoolisée. Mais selon les premiers indices, le véhicule de police n'était pas visé. Le fonctionnaire qui se trouvait à la place du passager est décédé sur place malgré l'intervention des secours. Un autre agent qui conduisait la voiture a été blessé et hospitalisé dans un état grave, tout comme la jeune femme. Près de 9000 cas en 24 heures, 53 nouveaux clusters également identifiés. Les chiffres du Covid poursuivent leur hausse, une circulation accrue qui a incité le préfet du Nord à décréter la fermeture des bars et commerces d'alimentation de minuit à 6 heures la nuit prochaine à Lille, en ce week-end traditionnel de la grande braderie remplacée cette année par une plus modeste braderie des commerçants. Aucun manquement et aucun dysfonctionnement dans le suivi de l'accusé. Tels sont les premiers éléments qui ressortent de l'enquête de l'inspection générale de la justice après le viol et le meurtre d'une adolescente à Nantes par un multirécidiviste le 20 août dernier, élément dévoilé par la chancellerie.
Les sports à présent, et pour commencer le football, l'équipe de France joue ce soir en Suède dans le cadre de la Ligue des Nations. Retour en grâce de Rabiot, première de Camavinga. De nombreuses raisons de suivre la rencontre de 20h à 23h dans RTL Foot, présentée par Eric Silvestro. Match à vivre également sur M6. La reprise du top 14 de rugby. Pau l'a emporté à Montpellier hier 26-23 suite des rencontres cet après-midi. À l'US Open de tennis, Adrian Manarino éliminé en 4 manches par l'Allemand Zverev. Qualification de Corentin Moutet, mais élimination de Caroline Garcia. Le Tour de France, c'est le Britannique Adam Yates toujours en jaune. Aujourd'hui, première étape pyrénéenne entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. La 8e étape s'élancera à 13h35 à suivre toutes les demi-heures et l'arrivée en direct, bien sûr, sur RTL. Les courses, elles ont lieu cet après-midi en région parisienne. Quels sont vos pronostics, Dominique Cordier ? Bonjour à tous, ils sont 16 dans le Quintet Plus disputé cet après-midi sur l'hipporome de Vincennes, dont le départ sera donné à 15h15, pétante. Mon pronostic est le suivant, le 16, Dream de Lasserie, le 15, Diana Berry, le 13, Cash du Rib, qui est par ailleurs ma dernière minute, le 6, Ever Pride, le 12, Dostoyevsky, le 10, Divine Méloise, le 2, Danseur Baroque, et le 4, D'Extase Montaval, le 16, le 15, le 13, le 6, le 12, le 10, le 2, et le 4, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Merci Dominique. On termine avec la météo. Des nuages sur la moitié nord du pays et quelques pluies faibles le long des côtes de la Manche et de la frontière belge. Quelques éclaircies sont prévues tout de même en Île-de-France, dans le centre ou encore les Pays de la Loire. La moitié sud, elle, profitera d'un temps ensoleillé avec un peu plus de grisaille toutefois sur les Pyrénées. Les températures cet après-midi oscilleront de 18 à 32 degrés de Boulogne-sur-Mer à Valence et Lyon. RTL, 11h03. Tout de suite, on ne répond plus de rien avec vous, Karine Lemarchand et Laurent Baffy. 10h15, 11h30. On ne répond plus de rien. Présenté par Karine Lemarchand et Laurent Baffy sur RTL. Laurent, je crois que vous avez une surprise pour Michel Bernier et Henri Lecomte. Une surprise énorme pour Michel Bernier. Ah. Elle ne s'y attend pas, Michel Bernier. Attention. Je vais prendre en ligne une personne qui compte beaucoup pour toi. Michel Bernier, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Michel Bernier ? Nous sommes à la retraite. Nous sommes à la retraite. D'accord. Je peux vous demander votre âge, Michel Bernier ? Ah, écoutez, j'ai 80 ans. Ah, bah 80, oui, c'était le temps d'être à la retraite. Vous êtes encore jeune ? Ah, je suis pas jeune, jeune. Si, vous n'êtes pas vieille non plus, c'est encore jouable. Il y a peut-être un terrain d'entente. Non, c'est pas si vieux. Ne quittez pas Michel Bernier. Michel Bernier, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Michel Bernier ? Je suis à la retraite. Non, pas vous. Michel Bernier, c'est pas à vous que je parle à Michel Bernier. Oui, on parle à Michel Bernier. Michel Bernier, vous là. Michel, monsieur Michel. Monsieur Michel. Monsieur Michel, je vous passe monsieur Michel. Non. Ah bon. Je ne voulais pas, je voulais vous faire passer pour Michel, mais c'est Marie-Claude. Ah, c'est sa femme. Ah, je l'ai attrapée. Alors, Marie-Claude, vous êtes la femme de Michel Bernier. Ouais, voilà, c'est Michel Bernier. Bonjour. Attendez, Michel Bernier. Je suis du 4 mars 1938. Parfait. Ne quittez pas, je crois qu'on a une Michel Bernier au téléphone. Bonjour. Bonjour. Oui. Non, Michel Bernier. Oui. Bonjour Michel Bernier, que faites-vous dans la vie ? Je suis retraité. Non, pas, je voulais Michel Bernier. Mais lui aussi. Bon, Michel Bernier, ne quittez pas, je vous passe Michel Bernier. Mais vous l'aimez bien Michel Bernier ? Ah oui, oui, très bien, oui. C'est incroyable, vous savez quoi, Michel Bernier ? Ben moi, j'invite tous les Michel Bernier au spectacle. Oh, c'est sympa. Oh, super, ça. Et on va vous couvrir de cadeaux. Ça sent la montre RTL. Et on va vous offrir à tous les deux une montre RTL. Non, à tous les neuf. Ah bah c'est gentil, merci. Vous connaissez l'hôtel Les Flamants Roses ? Les Flamants Roses, oui, ça me dit quelque chose, oui. Eh bah, bien, gardez ce bon souvenir parce que vous n'y retournerez pas. Vous êtes adorable. Adorable. Et vous viendrez me voir après dans la loge. Hein. Vous direz laissez que vous êtes vos Michel Bernier. Au revoir, Michel Bernier. Au revoir, merci en tout cas. Merci, au revoir, Michel merci Bernier. On vous embrasse. À bientôt, au revoir, trop Bernier. Sympa. Karine Lemarchand, Laurent Baffy. On ne répond plus de rien sur RTL. On va parler de bonheur. Parce que franchement, la période, moi, je la trouve un petit peu angoissante, alors, cette déjà, reprise. Que c'est quand le bonheur ? Première question. Bah, c'est pas il constant. Est où ? Il est où le bonheur ? Oui, bon, alors, il est là. Voilà. Bon. Bah, le bonheur, déjà, il est sur France 3 régulièrement. Avec Michel, qui cartonne en cette rentrée. J'adore sa série. Non, mais elle est trop sympa, la stagiaire. Fantastique. Et c'est la 5e saison qui est diffusée. Absolument. Et vous êtes en tournage de la 6e. De la 6e, oui. Non, mais c'est un bonheur d'avoir une série comme ça qui, en fait, qui réunit
tellement de styles. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est du polar, en même temps, c'est effectivement une femme de mon âge qui reprend des études et qui se retrouve stagiaire auditrice judiciaire. Et puis, la vie de famille. Et j'aime beaucoup tout ce mélange parce qu'on peut être à la fois dans des choses, bon, des enquêtes un petit peu dures et tout ça. Et à côté de ça, la comédie. Et en plus, là, on a Andréa Ferréol avec nous sympa, dans la série comédienne. Qui fait la maman de Philippe Lelièvre. Donc, voilà, il y a des choses qui se passent tout le temps dans cette série. Et quand on voit les cartons d'audience qu'on c'est fait, génial, hein. j'adore. Moi je suis vraiment bouleversée et merci mille fois. Et le spectacle Vive Demain, alors qui s'est arrêté à cause du coronavirus, qui s'est arrêté du jour au lendemain, qui reprend, le 14 novembre. Voilà. Elle dit on est trop vieux. Alors, pour avoir un prêt trop vieux pour avoir un prêt à la banque, mais trop jeune pour vendre son appartement viager. C'est super. Non, mais c'est vrai que 60 ans, c'est un âge un peu bizarre. Ouais. Le cul entre deux chaises. On a l'impression d'être en apesanteur, on n'est rien. On n'est pas encore à la retraite pour certains. On a quelquefois divorcé, on est un peu tout seul, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on est trop vieux, trop jeune, on ne sait pas où on est. Voilà. La société ne nous reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas. C'est un moment un peu de flottement. Voilà. Ouais. Il vaudrait mieux avoir 15 ans de plus, en fait, pour être considéré. Ou 15 ans de plus ou 15 ans de moins. C'est non, ça. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir de 70 ans, d'ailleurs, pour le pour COVID, les cartes, hein, pour les cartes vermeilles, voilà, tout ça. Pour tout ça, on vous dit bien, voilà, c'est un âge où on commence à vous c'est regarder. Terrible. Oh, mais c'est terrible vrai. De penser c'est... ça. Oui. Mais ou, non, alors, mais c'est une fatalité. Ou alors on est bon pour pour être encore celui qui va faire les randonnées, les voyages de retraité, les machins comme ça. Parce qu'on a encore un peu la forme pour avoir des bâtons de marche. On a encore 10 ans avant d'acheter du Stera, donc exactement. C'est une période hybride. Voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est un peu à chaque fois. De toute façon, le premier c'était le démon de midi, le deuxième c'était 50 ans et pas une ride. Là, c'est vive demain parce qu'il faut être optimiste. Super optimiste, ce spectacle. Il est drôle, elle chante, elle danse, elle a une patate. Bref, restez avec nous, à tout de suite sur RTL. On ne répond plus de rien. Avec Karine Le Marchand et Laurent Baffy, jusqu'à 11h30 sur RTL. Chez Action, notre dada, c'est les plus petits prix. Je sais. Et même sur les produits de grandes marques. Par exemple, les 26 tablettes pour la vaisselle Finish à 3,69€. Si peu cher. Et oui, ou le déodorant 100 ml Axe pour seulement 1,99€. Pas possible. Et même les Dentastix Pédigré à 84 centimes. Waouh, incroyable. Et oui, vous ne trouverez pas de si petits prix ailleurs. Beaucoup de grandes marques. Chaque jour à petit prix. Action, petit prix, grand sourire. Peugeot présente un rendez-vous historique. Entrez dans l'histoire par la grande porte. Vous êtes convié aux 210 ans de Peugeot et pour cette occasion unique, la marque vous a réservé la part du lion, évidemment. Bénéficiez d'une reprise de 3000 euros en plus de la valeur de votre véhicule et repartez au volant de la plus chic des citadines, la Peugeot 108, avec toit découvrable, navigation et caméra de recul. Mais ne perdez pas de temps. Des rendez-vous comme ça, ça n'arrive qu'une fois tous les 210 ans. Détails sur Peugeot.fr. Chérie, tu peux prendre des feuilles pour la rentrée ? Il y a une offre sur les feuilles Clairefontaine, 70% d'économie sur notre comptoir ou Auchan. Bah Marie, tu retournes au collège ? Faut le dire si la cantine te manque. N'oublie pas les feuilles pour la rentrée des petits. Ce sont toujours les gens qui font la différence. Auchan. 70% d'économie sur votre compte Wahoo Auchan sur l'étui de 500 feuilles ou copie double Clairefontaine. Le lot à 2,10€ au lieu de 7€, soit 4,90€ d'économie, cagnotte déduite. Offre valable jusqu'au 8 septembre dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. 10h15, 11h30, on ne répond plus de rien sur RTL. On ne répond plus de rien avec le grand Baffy. Mais aussi Michel Bernier, Henri Lecomte. Bon, Michel et Henri, je vous confie dans les mains bienveillantes de mon ami Laurent Baffy pour un jeu, le quiz. Oui, c'est un petit jeu sans conséquence, comme dirait l'autre. Je vais vous poser des questions avec une thématique précise aujourd'hui et vous allez répondre. La personne de vous deux qui sera la plus éloignée de la bonne réponse aura droit à une question horrible. Ah, c'est votre question à vous. Voilà, vous D'accord. êtes prêts ? Alors, on va définir au hasard le thème du quiz. Je lance la roue. Oh, je crains le pire. Le thème est... le sexe. Oh. Ça, c'est marrant. Ah, ça, c'est marrant. C'est dingue. Ah, c'est ballot, ça. Ah, ouais. Incroyable. On serait pas douté. Pas pensé, ouais. Incroyable. Ouais. Michel, Henri, vous pouvez répondre ensemble. Quelle est la taille moyenne du pénis en érection des Français ? Oh la vache. Faut tous les compter ? La taille moyenne. Dans mes vieux souvenirs, 25.
25, dis donc. Non, mais au repos ou En érection. Ah, en érection. Ah, en érection, oui. C'est énorme, 25. 20, non, non, 18, 20. 18, 20. 19, ouais. 20, ouais. C'est toi, Henri, qui est plus proche de la bonne réponse. C'était 14 cm. Oh, donc, c'est en érection. Oui, en érection, c'est la moyenne nationale. Ouais. Oh la vache. Oui. Moi, c'est sûr. Alors, une question pour Michel qui a perdu. Toi qui aimes les hommes plus jeunes que toi, tu pourrais avoir une aventure avec Macron s'il était célibataire. Est-ce que je pourrais avoir une aventure avec Macron s'il était célibataire? Tu sais, ça par rapport à mon âge, évidemment. Non, est-ce qu'il pourrait correspondre? Est-ce qu'il plaire? Ah, bah, il est pas mal. Bah. Ah oui, il est bien. Donc, il... toi, ce sera un grand oui de ton côté. Bah, pourquoi pas. Enfin, oui, je ne pose pas la question, mais... Au moins, okay. Il n'essaierait pas de l'arnaquer sur Internet. Hein. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, si vous nous écoutez, il y a un vrai coup à jouer, là. Hein. Deuxième question, maintenant. Quelle est la taille du pénis en érection de la baleine bleue? Ah, c'est immense. Il paraît que c'est une tour Eiffel. Votre réponse. Ça mesure combien une baleine? Non, mais c'est 35 mètres. Non, mais c'est. Ah oui. Il paraît que 35 mètres, c'est 2 mètres, 3 allez, mètres. Dis, il me faut une réponse précise. 5 mètres. 5 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Eh bien, c'est Michel qui gagne. La réponse était 2 mètres 40. Oh Henri, une question méchante. Vas-y. C'est vrai qu'à ton âge, après avoir tiré un coup, tu réclames des balles neuves? Bah oui, toujours. Bien sûr. Quelle est la durée de l'orgasme féminin? Ça dépend. En moyenne? Oh, bah, ça dépend. 30 secondes. Moi, je dirais une minute. Mais non, c'était 20 secondes. Ah, c'est si court que ça. Eh oui. Et ah bon, oui, donc, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. On m'aurait menti. Non, avec quelques... Ah, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est... Ah, oui. Ah, oui. Faut respirer quand même. Michel. Oui. Quelle est la durée de l'orgasme masculin? Ah, ça, c'est beaucoup plus court. C'est agréable. Mais ça arrive plus vite. On va dire 15 secondes. Michel. Oh là 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 là, moi je dirais 10 secondes. Eh oui, Michel, c'est 6 secondes. Donc une question méchante pour Henri. La moitié des gens qui contractent une méningite meurent. L'autre moitié reste idiot. Tu savais ça? Oui, je savais. J'ai eu la méningite. Il est bête et c'est vrai en plus. C'est vrai. Quelle est la vitesse en kilomètres heure d'une éjaculation? C'est-à-dire, il y a un monsieur, il est d'un point A à un point B. Ouais. Et comment il a mesuré? Je préférerais que ce soit une dame, mais bon. Mais comment ils ont mesuré ces gens-là, par exemple? Avec des instruments très très précis. Avec bien sûr. Retourne-toi. Retourne-toi. Je vais te. Mais combien de kilomètres heure, c'est combien de. Quelle est la vitesse en kilomètres heure d'une éjaculation? Du jet, quoi, tu vois. Ah voilà. 40. 5 kilomètres heure? Eh bien non, Michel, tu as perdu, c'est 50 km. J'ai dit 40. Ah, oh, dis donc. Donc Henri a gagné. Enfin, pour l'instant, c'est 50 parce que Anne Hidalgo propose de réduire ça à 30. Mais est-ce qu'il y aura des pistes giclables? Petite pause musicale tout de suite avec Clara Luciani. J'adore. On se retrouve dans un instant sur RTL. C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong. Pas Tokyo, et il fait si chaud. Bienvenue sur la terre. Les hommes aussi, rien à se cacher, rien à se cacher. Et le jus des fruits, entre leurs doigts, vient se glisser. Je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler des cils. Déjà, nous y voilà, bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin,
ni même Hong Kong, pas Tokyo, et il fait si chaud, je t'emmène sur la mer. La baie de Clara Luciani, un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2020, la bande-son de votre rentrée avec tous les tubes de l'été réunis en deux CD. On est chic ce matin, Jade, on a dû faire des efforts. Hein. Non, j'ai la pression. Hein. Deux présidents avec nous dans quelques minutes à 11h30 pour refaire la télé. Pierre Lescure, ancien président de Canal+. Et un président de la République, François Hollande, est avec nous. Et tout ça, c'est dans quelques minutes, 11h30 pour refaire la télé, juste après Karine Le Marchand et Laurent Baffy. A tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, je suis en colère, rouge de colère, vraiment. Et la raison de ta colère ? La raison ? Mais le raisin blanc patron. En ce moment chez Lidl, ils nous mettent le kilo de raisin blanc à 1,99€. 1,99€ le kilo de raisin blanc. Tu veux me mettre en colère ? Mais patron... Y a pas de mais, avec toi y a que des pépins. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vendu en vrac, catégorie 1, variété Vittoria et ou Italia, origine Italie. Lidl, partenaire de Deceuninck Quick Step pour les produits frais. Plus d'informations sur Lidl.fr. 67%, c'est la part de Français qui renoncent à leurs soins dentaires en raison de leurs coûts. Et c'est trop. Au Crédit Agricole, on pense que personne ne devrait avoir à choisir entre sa santé et son budget. Alors on a intégré le 100% santé à notre assurance. Comme ça, on rembourse vos prothèses dentaires et vos lunettes de vue à 100%. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Étude CSA 2018, condition du 100% santé au contrat, assurée par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances, disponible dans les caisses régionales. Carrefour. Le plaisir de déguster du bon chocolat, ça commence par... Puis ça fait... Et vous, vous faites... J'adore. D'accord, alors pour tous les gourmands, jusqu'au 13 septembre, chez Carrefour et Carrefour Market, pour deux produits Milka, tablettes de chocolat achetées, le troisième est offert. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Différentes variétés, le moins cher est offert. Magasin participant est ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et pour la sécurité de tous, ensemble, continuons d'adopter les gestes barrières. Profitez d'offres exceptionnelles où que vous soyez avec les ventes flash de rentrée Amazon. Que vous viviez à la ferme, sur une péniche, au sommet d'un phare, vous pouvez faire de super économies avec les ventes flash de rentrée Amazon. Les ventes flash à votre porte, où que vous soyez. Jusqu'au 7 septembre. 4 990€, l'optimisme, y'a que ça de vrai. Quoi ? Bah le prix de Fiat Panda. Comment ça ? Panda est toujours à 4 990€, même avec le changement de prime à la conversion. Trop fort ? Et toujours garantie 10 ans ? Oui, toujours. Et tu peux la payer en 2021 ? Ouais, et attends, t'as pas vu le prix de leurs hybrides ? De vraies occasions à ne pas rater. Elles sont neuves. Chez Fiat, partez en Panda des 4 990€ et payez-la en 2021. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Jusqu'au 30 septembre, payez en 2021 sous condition de location longue durée si acceptation par Lysis France. Panda 1 point de prime, conversion déduite, détails sur Fiat. Fiat. Tout le monde dit oui à l'alerte discount. Aujourd'hui, chez Netto, les 6 steaks une étoile à griller origine France sont à 7,49€ le kilo. 7,49€. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Alors je dis que c'est oui ! Oui, je le veux ! Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine, barquette de 780 grammes environ. Magasin participant sur netto.fr. Karine Le Marchand, Laurent Baffy. On ne répond plus de rien. Sur FTR. Bon, ben, du coup, Michel, on connaît votre âge avec votre spectacle.
Oui. Hein, on sait que c'est la soixantaine à peu près. Oui, oui. Vous prenez des trucs, c'est pas possible, Michel. Rien. Mais si vous vous droguez. Ah, j'aimerais tellement. Ah bon? Ah, j'aimerais. Mais je pense que j'essaierai la drogue, mais tard. Plus tard. Henri, c'est beaucoup dosé. 80 ans. C'est vrai, être une vieille dame. Je me mettrais à la coke. Je serais maigre et je dirais tout ce que je veux. Mais non. Mais c'est vrai. C'est en tout cas, je rigole quand je dis ça. Mais bien sûr. Oui. Comment vous voyez quand vous serez très âgé? Tu sais, il y a un adage qui dit, si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes projets. Mais je sais pas. J'espère en forme. J'espère bien dans la tête, surtout. Ouais. Et puis, avec pas trop d'emmerdement autour, quoi. Alors, donc, ça vous fait... C'est très amitié, bonjour. Mais ça vous fait peur de vieillir ou pas? Ah oui. Mais ça fait peur à tout le monde, Karine. C'est pénible. Quelle non, mais c'est pénible. Conne. Non. C'est pas que ça fait peur, c'est pénible. Voilà. Henri, vous êtes plus apaisé maintenant qu'avant. Ah bah oui. Ça c'est très clair. Ah ouais. Comment est-ce que vous avez fait? C'est pas que l'hypnose. Non. C'est pas que Maya. Non, mais ça aide un peu, mais c'est juste pour travailler sur moi-même. C'est-à-dire quoi? Une thérapie? Non, pas du tout. C'est accepter ce qui s'est vraiment passé dans ma vie. Quand on a sa vie de sportif de haut niveau, on a toujours des regrets. Moi, j'ai toujours le regret de la finale de Roland-Garros, je vais à Roland-Garros. Et alors, 96, autre discours. Et là, j'étais bon. Retourner le public. On écoute. Ça n'a jamais été facile entre nous, mais je crois que c'est un peu de ma faute. Bon. Et toute ma vie, je me souviendrai de ce jour où je vous ai dit au revoir. Donc c'est le jour où vous faites vos adieux. Ouais. Ça doit être dur. Hein, de mettre dur, fin même à sa carrière un jour et de le dire. C'est gentil d'avoir mis ça parce qu'il y a très peu de personnes qui ont remis ce discours et c'est toujours émouvant et dur parce que quand on voit Roland Garros ou qu'un joueur français arrête, on fait vraiment une cérémonie. Ils n'avaient rien. Moi, ils n'avaient rien. J'étais obligé de monter sur la chaise d'arbitre pour prendre le micro. Je disais, donnez-moi un micro. Il me disait, non, tu dois te casser là. Et hop, mais ils savaient que vous vouliez arrêter? Mais je l'avais dit, moi. J'avais annoncé que j'arrêtais. Oui. Michel, vous voyez faire un discours d'adieu un jour? Jamais. Au revoir. Hein, vous voyez, un jour, vous dites, j'arrête. Oh, il faudrait que je sois tellement obligé, quoi. Tellement. Ça lui fait tellement peur, rien que cette idée, je la vois. Mais c'est même une fois, ça m'est arrivé, il y a eu un problème technique dans la salle. Ça faisait un quart d'heure qu'on était sur scène. Et je vois dans la salle, je trouve que c'est bizarre, les petites loupiottes de secours qui clignotent, tout ça. Je vois nos lumières qui... Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et je vais en coulisses comme ça, mais en restant sur scène. Hein, je tends l'oreille comme ça. Et le régisseur me dit, on a un problème. Peut-être qu'on va être obligé de baisser le rideau. C'est comme s'il m'avait dit, on t'arrache le bras maintenant, à l'instant. Ça va être terrible. Et je lui dis, ah non. Et je retourne sur scène. Et là, plus de lumière, plus de son, plus rien. Terminé, au revoir. Baissage de rideau. Ça faisait 10 minutes quand il sur scène. Et je crois que c'est la standing ovation la plus incroyable que j'ai eue, puisque au bout de 10 minutes de spectacle quand même. Et toi, Michel, est-ce que tu veux mourir sur scène? Alors moi, je ne veux pas mourir déjà. Oui. Voilà. Donc, alors, il y a une manif dimanche. Il y a une manif contre la mort dimanche qui partira de Nation, qui ira jusqu'à Bastille. Très bien. Contre la mort, rendez-vous. Super, on y va tous. Merci en tout cas de nous avoir donné tous ces moments et puis toute cette... toutes ces confidences sur qui vous êtes, sur le chemin que vous avez parcouru. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Votre générosité. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. On craque tout pour. Merci Laurent pour votre élégance. Votre raffinement. Vos questions intelligentes. Merci pour votre joie de vivre et votre rire spontané et votre bonne humeur constante. Voilà, c'était notre première émission. On ne répond plus de rien. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir consacré votre temps parce que c'est un bien très précieux. Merci au public de nous avoir accompagnés pour cette première émission. À double vitesse, je dirais. Si vous voulez participer, justement, venir dans le public ou jouer en téléphonant, alors il y a deux façons de nous contacter. Vous pouvez aller sur Instagram, on a ouvert un petit compte qui s'appelle On ne répond plus de rien. Vous pouvez aller aussi sur notre page RTL et puis téléphoner au 3210 pour participer au jeu. T'as pas une autre émission à faire, toi? Hein? T'attends pas quelque part? Si, c'est vrai. Allez, dépêche-toi. Tout de suite, on refait la télé avec Eric Dussard et Jeanne. Et avant le journal inattendu d'Ophélie Meunier. Passez un excellent week-end sur RTL.